Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch sur GTA V Online en 1.36. Donc pour les versions PS4 et Xbox One, vous pouvez suivre la vidéo, ça se passera exactement comme je vous l'indique. Pour ceux qui sont sur PC par contre, vous ne pourrez pas le faire avec n'importe quel véhicule, il faudra le faire absolument avec un véhicule qui se revend moins de 165 000 dollars quand vous allez le vendre au LS Custom. Sinon, si vous le faites avec un véhicule qui se vend plus cher, eh bien vous aurez un message d'alerte qui vous dit que vous ne pouvez pas vendre le véhicule. Donc faudra le faire avec un véhicule qui coûte, enfin, qui se revend moins de 165 000 dollars, et ça c'est seulement pour ceux qui sont sur PC. Donc pour réaliser ce glitch, déjà c'est un glitch qui a été trouvé par un Écossais, je vous mettrai le lien de la source dans la description, à savoir que Venger et Suck D Prestige ont trouvé exactement la même chose avec un peu plus de trucs. Et ce qui nous permet de le faire dans tous les QG, alors que ce glitch-là peut être réalisé que dans le QG de Vespucci Beach, ce qui est pas très pratique si vous n'avez pas ce QG-là. Donc je vous présenterai l'autre vidéo aussi qui vous permettra de le faire dans tous les QG, ce sera beaucoup mieux. Mais je tenais à vous présenter celle-ci, car si vous avez ce QG-là, ça peut être vraiment très pratique et plus rapide. Donc pour commencer ce glitch, il vous faudra mettre une voiture dans votre QG. Donc vous allez commencer par prendre une moto qui vient de votre QG et de vous diriger vers un garage 6 places ou 2 places. Et dans ce garage 6 places ou 2 places, il vous faudra qu'il soit plein déjà. Et ensuite qu'il y ait le véhicule que vous souhaitez rentrer dans le QG. Donc moi j'ai mis au préalable une Sultan RS dans mon garage de place. Et j'ai été changer ma moto qui vient du QG avec la Sultan RS qui était dans ce garage de place, ce qui va avoir pour effet d'envoyer ma Sultan RS dans mon QG. Donc une fois que je suis dans mon QG, alors il faudra bien sûr avoir forcément le QG de Vespucci Beach avec un atelier de moto à l'intérieur du QG si vous voulez faire cette version du glitch. Je vous présenterai donc bientôt ou dans la journée sûrement une autre version qui vous permettra de le faire dans tous les QG. Donc c'est parti. Alors il vous faudra inviter un ami dans votre QG. Il devra se placer très proche du véhicule que vous souhaitez dupliquer. Le véhicule que vous souhaitez dupliquer, vous allez le mettre à l'emplacement numéro 10. Et vous allez devoir échanger votre lowrider avec un Faggio qui se trouvera à l'emplacement 9. Et vous switchez de l'emplacement 9 à 10, de 10 à 9, de 9 à 10, jusqu'à faire la duplication de votre lowrider. Si c'est le Faggio qui se duplique, vous continuez à échanger les deux véhicules jusqu'à ce que ça soit la lowrider qui se duplique. Une fois que vous avez dupliqué la lowrider, il vous suffira de monter au volant de celle qui se trouve à l'emplacement 10 et de la rentrer dans le LS Custom en faisant flèche de droite. Donc ça fonctionnera bien qu'avec ce QG à Vespucci Beach. Donc là, dans le LS Custom, vous mettez une plaque d'immatriculation. Et une fois que vous avez changé la plaque d'immatriculation, ou une autre pièce si vous n'avez pas de plaque d'immatriculation disponible pour le véhicule, et vous changez une autre pièce, une peinture, et vous ressortez du LS Custom. Et vous allez pouvoir continuer à faire plusieurs duplications comme ça en échangeant avec plusieurs Faggio à chaque fois. Avec l'emplacement, enfin avec le lowrider emplacement 10 et un autre Faggio. Donc je vais vous montrer ça plusieurs fois en accéléré. Et comme je vous ai dit, donc ça fonctionne vraiment qu'avec le QG de Vespucci Beach. Si vous le faites avec un autre QG, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas rentrer le lowrider dans votre LS Custom. Dès que vous allez changer d'emplacement, ça va vous bloquer. Donc, je vous montrerai une autre version bientôt qui a été trouvée par Venger et Suck D Prestige qui permet de le faire de la même manière, mais on va dire dans tous les QG, plus une autre version que j'ai trouvée moi aussi, moi avec Suck D Prestige, qui est légèrement différente et qui vous permettra aussi de le faire dans n'importe quel QG. Donc voilà, j'espère que ce petit glitch vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et puis à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, donc aussi je remercie les tipeurs qui apparaîtront sûrement dans la prochaine vidéo aussi, qui a été réalisée il y a quelques jours, mais que je n'avais pas publié faute de quelques petits soucis. Donc bref. Vous verrez ça très bientôt et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!